Entouré d'une dizaine d'autres toxicomanes, Mohamed, un Marocain proche de la quarantaine, raconte son quotidien infernal. Une vie passée à la recherche d'une dose d'héroïne. J'avais 17 ans quand j'ai commencé à me droguer. J'ai été toxicomane pendant 21 ans. Puis j'ai entendu parler de cette association qui peut procurer de la méthadone et je savais déjà que c'était la seule chose qui pouvait remplacer l'héroïne. J'ai beaucoup souffert dans la période où je prenais de l'héroïne. J'étais désespéré. Dans un pays où le conservatisme isole les toxicomanes du reste de la société, l'association Hasnouna, fondée en 2006, est l'une des rares institutions essayant de les aider. C'est aussi la seule à procurer de la méthadone, substitut thérapeutique de l'héroïne. L'accompagnement, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui dans mon atelier, où j'ai parlé du comportement et comment on peut le changer grâce à la méthadone. Mais elle est juste un pont, ce n'est pas le but qu'on doit se fixer pour le reste de notre vie. D'après l'association, la consommation de drogues dures ne cesse d'augmenter au Maroc, notamment ici à Tanger. La drogue viendrait principalement de l'Europe via l'enclave espagnole de Ceuta. Une dose coûte entre 3 et 5 euros, un prix qui pousse certains usagers à la délinquance ou à la prostitution et mène souvent à l'exclusion de toute vie sociale. J'ai 20 ans de drogue et un an de traitement. Maintenant, je me sens très bien. Avant, je prenais une dose de 100 de méthadone. Aujourd'hui, je ne prends plus que 20. Et ça, grâce à mon médecin et aussi aux gens de l'association. Grâce à eux, ils ne nous manquent rien, ils nous ont ouvert toutes les portes. Nous n'avions aucune valeur avant. Moi, j'ai été une morte vivante. Aucun chiffre officiel n'existe sur la consommation de drogue au Maroc, un tabou que les associations comme Hasnouna peinent à faire tomber.